Eh bien, bonjour à tous, bonsoir, bonne journée, bonne nuit, ça dépend du moment auquel vous avez regardé cette vidéo. C'est Foenor et on se retrouve donc aujourd'hui sans Delunea, pour commencer cette série de tutoriels sur Logistic Pipes. Alors sans Delunea, pourquoi? Je vais vous expliquer ça le temps de remettre mon équipement qui va m'être utile. Alors sans Delunea, pourquoi? Parce que tout simplement on a décidé que d'une part faire des tutoriels à deux, c'était pas forcément le plus simple et le plus efficace, et que d'autre part, si on fait nos tutoriels chacun de notre côté, eh bien ça fait deux fois plus de tutoriels. Attention, subtilité! Bien, bien, bien. Alors nous, ce qui nous occupe aujourd'hui, donc on vous l'a dit, c'est Logistic Pipes. On avait déjà annoncé en fait qu'on ferait cette série de tutoriels sur Logistic Pipes, qui est donc ce mode que nous avions rajouté à Feed the Beast dans une vidéo précédente. Vous vous en souvenez? Si vous ne vous en souvenez pas, eh bien, je vous mettrai une petite annotation pour pouvoir eh bien, consulter cette vidéo. Et donc cette fois-ci, je vais donc expliquer en gros ce que fait Logistic Pipes. Si vous voulez, c'est un épisode un petit peu pilote pour expliquer l'intérêt de ce mode. Alors c'est un mode qui vient se greffer en fait à Buildcraft. C'est un add-on de Buildcraft qui permet de rajouter pas mal de tuyaux à Buildcraft et donc de faire des choses assez extraordinaires que Buildcraft ne permet pas de faire à la base. Alors exemple très très simple, ici en dessous nous avons notre salle des coffres que je vous montrerai tout à l'heure. Et nous avons uniquement un tuyau qui remonte ici et qui est relié à un coffre qui est, comme vous pouvez le constater, complètement vide. Alors, ce tuyau a la particularité de me donner accès en fait à tout le contenu des coffres des coffres de la salle des coffres. Donc vous avez sur cette interface qui est assez pratique tout le contenu des coffres. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Voilà, vous voulez une ressource en particulier, vous la demandez. Voilà, par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez du bois. Vous en demandez, voilà, vous en demandez deux par exemple, vous les demandez. Et oui, forcément, si je ne sélectionne pas, ça marche pas. Donc vous les demandez, voilà, je les demande. Et le temps qu'ils se trimballent dans les tuyaux, on devrait les voir arriver et se mettre bien sagement dans ce coffre. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un système extrêmement performant, extrêmement efficace, qui vous permet de n'avoir quasiment, voilà, ils viennent d'arriver, de n'avoir quasiment rien à faire dans votre salle des coffres. Et l'avantage également de ce petit add-on à Buildcraft, c'est qu'il vous permet de crafter automatiquement grâce aux auto-crafting tables d'Industrial Craft, si je me trompe pas, ou de Buildcraft en fait, je sais plus. Peu importe, et il vous permet de crafter automatiquement certains objets dont vous avez mis les recettes. Donc je vais vous donner un exemple. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Pouf pouf. Voilà, ici par exemple un Iron Furnace, vous voyez qu'il y en a actuellement 0 dans le coffre, et pourtant il est là, parce qu'il y a moyen de le crafter. Donc j'en demande un, et il va automatiquement prélever dans les coffres les ressources nécessaires à son craft, et va me le crafter et va me l'envoyer. Alors parfois c'est un peu long quand il faut crafter, pardon, c'est lié au système qu'on a mis en place, mais bon voilà, vous commandez, vous allez faire vos courses, vous allez faire, voilà, et casser le creeper qui vous ennuie, tabasser Delunea parce qu'il, voilà. Et quand vous revenez, non, voilà, on vient de le voir passer, hop, votre four est dans votre coffre. Alors là, il y en a deux, il y en a déjà un dans mon inventaire parce que j'ai foiré une fois la première vidéo, j'ai oublié d'enregistrer le son de ma voix, ce qui est un peu dur. Donc voilà en gros le système, notre salle des coffres. Donc voilà à quoi elle ressemble, hein. C'est rien de très particulier, on l'a fait assez étendue, mais on peut la faire compacte, mais comme ça on se rajoute de la place, on se réserve de la place au cas où. Et donc le système en gros, c'est qu'on a des queries, donc pour ceux qui sont un petit peu familiers avec Feed the Beast, ce sont des machines qui minent automatiquement, qui sont reliées à donc, un Ender Chest, qui mettent leurs ressources dans cet Ender Chest, et ensuite par le réseau de tuyaux Logistic Pipes, les ressources sont automatiquement triées pour certaines et pour d'autres envoyées en vrai dans des coffres. Mais c'est pas important puisque de toute façon, vous pouvez requester donc depuis là-haut. Mais donc il y a moyen très facilement avec ceci. Donc vous voyez, hein, il n'y a pas de centaines de Diamond Pipes pour réguiller tous les objets, etc. Non, il n'y a que des Logistic Pipes. Et ça nous permet d'avoir des tris, donc ma foi, relativement bien fait, parce que si vous regardez, ici on a que du sable, un peu plus loin, ici on a que de la cobble, voilà, ici, de la cobble, de la dirt, ici, qu'est-ce qu'on a? On a que du verre, donc le tri, voilà, que du bois, le tri se fait assez facilement et assez bien, de manière très très efficace.
Donc en plus d'avoir une salle des coffres assez triée, ce qui en soi peut paraître du détail, hein, mais bon, nous on fait ça pour certaines raisons que je vous expliquerai par la suite. Et bien en plus de ça, vous pouvez rajouter donc toutes ces auto-crafting tables qui vont, dès que vous demandez la recette qui est contenue, si évidemment c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans vos coffres là, va puiser dans les coffres tous les ingrédients nécessaires à la recette, donc ils vont passer par ce tuyau, entrer dans la table de craft, dans l'auto crafting table, être crafté, et donc l'objet fini va ressortir, et donc vous allez le récupérer là en haut. Un petit peu donc comme le four que je vous ai montré tout à l'heure. Et dernière chose intéressante, parce que vous pourriez dire, oui mais attends Foreigner, c'est de la triche, parce que bon... qu'est-ce qu'on fait quand on a des minerais qu'il faut faire fondre, etc. Ben, pas de problème. Vous pouvez relier tout ça grâce au système, de dire voilà, je veux que tous les. Que certaines. Par exemple que les matériaux, genre le fer, etc., arrivent dans un four. Vous pouvez donc les faire être brûlés automatiquement. Et vous pouvez même faire des choses beaucoup plus complexes automatiquement. Par exemple, ici dans cette rolling machine, on a un mixette metal ingot qui est. Voilà. Pas évident à crafter normalement, mais ici il peut être crafté automatiquement. Vous n'avez qu'à le requester depuis là-haut. Voilà, je pense qu'on a globalement fait le tour. Donc ce mode est très 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 sympa à utiliser. Il vraiment il complète extrêmement bien Buildcraft et ses tuyaux. Donc voilà. Ça c'était pour un petit aperçu de ce qui est possible de faire avec. Pour ce qui est du tuto, on commence dès la prochaine fois donc à entrer dans le vif du sujet et à vous présenter les différents pipes, les différentes manières de s'en servir et donc toutes les possibilités de ce merveilleux mode qu'est eh bien, Logistic Pipes. Sur ce, je me remets en vue comme ça, vous voyez ma superbe armure. Et je vous dis eh bien, au nom de moi et de Delunea, à très bientôt. Puisque Delunea a commencé lui également une série de tutoriels dans son coin, je n'en dis pas plus, on verra bien quelle vidéo sortira en premier. Mais voilà, donc on va essayer vraiment d'être actif sur la chaîne et de vous proposer du contenu, parce que ces derniers temps, on n'était pas toujours très 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 là, en fait. Voilà. Mais donc, toujours est-il que sur ce, je vous souhaite la bonne nuit, la bonne soirée, la bonne journée, le bon anniversaire, le joyeux Noël, la bonne année, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et d'ici au prochain tuto et à notre prochaine vidéo, je vous souhaite de quoi que vous craftez, eh bien, craftez le bien. Salut à tous !